the zone. OHL arrache la victoire dans le temps additionnel face au Standard. On revient sur ce match et bien plus encore dans votre magazine de l'Auto Super League. OHL et le Standard ont débuté leur saison par une victoire la semaine dernière et souhaitaient poursuivre sur cette lancée. Ce sont les Liégeoises qui démarrent en trombe. Toloba frappe le poteau dans les premiers instants. Colville marque au rebond mais est signalé en position de hors-jeu. On ne joue alors même pas depuis 30 secondes. Le Standard continue de donner le ton du début de match. Colville intercepte la balle et passe à Toloba. Son envoi passe juste à côté. We stonden echt goed. We hebben mooie dingen laten zien. Maar ik zeg het, we waren niet efficiënt genoeg, niet met genoeg mensen in de box. Dus dat zijn gewoon positieve punten dat we kunnen meepakken, daarop trainen en gewoon dat het moet gewoon volgende week beter tegen Anderlecht. OHL éprouve des difficultés face à la bonne organisation des visiteuses. Zomers a une énorme chance de marquer le premier but au milieu de la première mi-temps et le sauvetage est bien plus beau que la tentative. C'est 0-0 au repos. Ik vond onze eerste helft niet zo top. Ik denk dat we een beetje dezelfde fouten maken dan vorige week. Maar ik denk de tweede helft waren we gewoon heel sterk, krijgen we de beste kansen. Ik denk echt 100% kansen als we het hier op 50% afmaken, denk ik dat we rustig die match controleren en uitspelen. Après la pause, les deux équipes sont toujours bien organisées, mais elles ne parviennent pas à se créer les occasions dans un premier temps. La tête de Blave a été pendant longtemps le plus gros danger de la deuxième période. Le Standard aime jouer au football en partant de l'arrière et ce n'est pas toujours sans danger. Droz ne parvient pas à se dégager, Reinders s'en profite et donne l'avantage à l'équipe locale. Les visiteuses se doivent de se remettre de ce coup dur. Hurlings et Zomers combinent joliment. L'Islandaise cherche le côté opposé, mais tire à côté. Le Standard éprouve du mal à s'en sortir en jouant au sol. Van Bell envoie alors un long ballon vers l'avant et le lob de Toloba est absolument sublime. Une superbe finition et le Standard mérite son but. OHL ne semble pas vraiment affecté par ce but. Hurlings part en solo juste après l'égalisation. Elle cherche le premier poteau, mais manque le but de très peu. Hurlings est comme toujours très présente, mais n'a pas l'air d'avoir bien réglé la mire. À 10 minutes de la fin, l'attaquante se présente seule face à Droz, mais cette énorme occasion passe au-dessus. J'ai deux kansen vandaag gehad et deux keer net niet. Het waren misschien niet de makkelijkste trappen, het was ook niet dat binnentikkers waren, maar ik ben altijd ben de eerste om kritisch naar mijn eigen wedstrijd te kijken. En ik weet ook dat nog beter kan, dat ik dodelijker moet zijn in en rond de 16. La rencontre semble se diriger vers un partage et la dernière chance appartient à l'équipe locale. Zomers dévie pour Pustai, la Hongroise vise le premier poteau et décide du match pour ses débuts à domicile. OHL a donc battu le Standard à l'arraché et conserve le maximum de points grâce au premier but de Sarah Pustai. It's a goal, of course I scored it, but the team won it. I just came in. I wanted to help the team and they did an amazing job through the whole game. It's always hard to come to a new team when you don't know anyone. If you know someone, even if one person, it's so much easier. Of course, the language is the biggest part that it makes it hard. But other than that, the girls are really nice. The girls are very talented. And I'm really happy to be here with them. On joue à une petite bataille des Flandres avec Zult Waregem la Gantoise. Et on a vu rapidement Lissen sortir en retard face à Ayman. L'arbitre désigne le point de pénalty, le ton du match est donné. Mais Gant ne profite pas de l'offrande. Lissen arrête le pénalty, Van Britsom tente de reprendre la balle au rebond, mais elle ne rentre pas non plus. L'OSEV se montre particulièrement dangereux en transition dans le premier quart d'heure. Soubieta appuie sur l'accélérateur et envoie un ballon au centre du jeu. Van Entenrijk sert Ubout qui marque le 1-0. On joue alors depuis 17 minutes. La réponse de Gant ne se fait pas attendre. Elson se place aux avant-postes. Van den Abel se loupe sous pression de l'attaquante. Et Caroline Elson en profite pour ramener les deux équipes à égalité. À la demi-heure, les Buffalo commencent à prendre le dessus dans le jeu.
La défense de Zult est constamment mise à l'épreuve et leurs efforts finissent par payer. Quand Ben Tensamami donne à Gand une avance de 1-2. Lissen s'évite le 1-3 juste avant la mi-temps d'une jolie parade. Tout est donc encore possible pour l'équipe locale en seconde période. Les visiteuses se sont remises à marquer presque immédiatement après la pause. Bey Tensamami ajuste un petit ballon pour Van de Keer, qui choisit de remettre en retrait et permet à Elsen de marquer le 1-3. Van Dahl tente de creuser davantage l'écart dans les dernières minutes, mais Windels la fait tomber à la limite des 16 mètres. Cela vaut un deuxième carton jaune pour la capitaine, qui est envoyée prendre sa douche avant les autres. Van Britsom frappe le coup franc sur la barre transversale. Le score reste de 1-3. Cela fait 6-6 pour Gand et 0-6 pour Zult Waregem. Je pense qu'on a fait une erreur individuelle, mais on est resté un groupe quand même dans le match. On a essayé de revenir, mais ce n'était pas évident offensivement. Mais on reste positif. Vandaag ben ik super tevreden met de prestatie van onze speelsters, omdat we eerst en vooral we krijgen een penalty, maar de keepster neemt hem. En daarna komen we eigenlijk als team achter. De wedstrijd ging gelijk opgaand en dan waren wij efficiënter in het creëren van de kansen, maar vooral efficiëntie in de box, het afmaken op de juiste momenten. En dat heeft ons dan wel een boost gegeven in die wedstrijd, dus ja, zeker blij voor. Hij heeft de penalty gepakt, staat 1-0 voor. Momentum is volledig van u en dat voel je ook. We zijn al 7-8 minuten echt wel baas in een gesloten wedstrijd. Op dat moment denkt er ook niemand in de tribune van dat dat een onevenwichtige match gaat worden. Want de twee ploegen waren gewaagd aan elkaar. Dan brengen we ze zelf weer in de wedstrijd. Maar dat gebeurt. Ik heb ook gevoetbald. Fouten zijn er om te maken en dat vind ik ook niet erg. Dat gaat allemaal om moraal. We staan 1-0 voor. Moraal zit zot goed. En dan komt het 1-2 op 3 minuten tijd en dan wordt het moeilijker. En dan moet ik eerlijk toegeven en we eigenlijk op dat moment geen aanspraak niet meer kunnen maken op een punt. Genk en Westerlo espèrent remporter leur première victoire dans la compétition lors de cette deuxième journée. Et la première occasion est pour l'équipe locale. Petri est à la base de l'action, mais elle ne pose aucun problème à Van der Poel. Le match est alors équilibré, jusqu'à ce que le centre de Boeckers ne surprenne complètement Van Weyharden, ce qui ouvre ainsi le score au quart d'heure de jeu. Genk répond immédiatement via Petri. Elle se met en bonne position et marque une belle égalisation depuis l'entrée du rectangle. Les deux équipes ont fait de la première mi-temps une période agréable à regarder. Peu après la demi-heure de jeu, Noyens ne parvient pas à reprendre un centre précis de Krantsov. Ceci n'était alors qu'un sursis pour Genk. Van Anrode dégage mal le ballon, Prez parvient à en profiter et donne l'avance à son équipe sur la marque d'un but à deux. 5 minutes avant la mi-temps, Krantsov est sur le point de porter le score à 1-3, mais sa reprise passe à côté. Au début de la seconde période, Gaudy a placé le ballon juste à côté du but en faveur de l'équipe locale. Le niveau affiché lors du deuxième acte est un peu plus bas qu'au premier. Deuster s'est bien lancé, mais une Van der Poel attentive est plus rapide sur la balle. Genk affiche beaucoup de bonne volonté dans ses intentions, Petri provoque et tire au but. Le ballon dévié passe à côté. Juste avant le coup de sifflet final, la remplaçante Merkelbach tente de surprendre Van Weyharden à distance. Mais le score reste de 1-2, Westerlo inscrit son premier panier à 3 points et Genk repart bredouille. Ik denk dat het een, zoals verwacht een heel intense match was met veel duels. Een spel dat heel veel op en neer ging, wat we ook van tevoren hadden verwacht. De beelden dat we ook hadden gezien tegen Gent. Dus we hadden ons daar eigenlijk wel goed op voorbereid. En eigenlijk wat we voorspeld hadden, was vandaag ook uitgekomen. De intensiteit van de wedstrijd ligt veel hoger. Details zijn heel belangrijk. Voor de rust krijg je zelf nog een kans een kopbal om 1-3 te maken. Dan denk ik dat je de tweede helft iets meer rust in je spel kunt houden en meer op de counter kunt gaan loeren. Het blijft 1-2 en dan kan het alle kanten op. Ja, ik vond de eerste helft liep er veel te veel achteruit. Dan konden we het er makkelijker voor zetten. Dan was de afspraak om hoog druk te zetten. Ja, dat lukte de eerste helft niet. En ja, dan krijgen we twee doelpunten binnen waar je denkt dat het voor mij waren. We kunnen 1-1 kunnen maken nog, maar het was de eerste helft te weinig. En in de tweede helft hebben we constant hoog druk gezet, wat we gevraagd hadden. Dan denk ik dat we iets meer in de wedstrijd waren, ook een paar kantjes krijgen. Ja, moet je die ook binnen trappen. Hè. Maar de eerste helft ja, was te weinig.
Les Limbourgeois ont cherché à recruter une joueuse d'expérience et combative lors du dernier jour du mercato. Mourane Marinucci quitte tout juste Louvain pour le Racing Genk. It was really hard. We were leading 1-0, but when I came in, we got a goal. So it was 1-1, so I knew that we need something that we can hang on. And I could score. Of course, it's a good feeling, but like I said, it's the team. The whole team scored it, not just me, so that's it. Well, it's really hot. I'm not used to this. I'm like here for like 1.5 months, and I got used to the colder weather. But of course, I'm so happy. A little bit tired of excitement. Of course, I'm before the games, I'm still excited, a little bit nervous. I'm gonna get used to it. That was my second game. I'm trying my best here, and that's it. Ik vond zelf begin wennen. Het was een beetje lastiger inkomen, komen achter. We missen daar dan net die penalty, dus even kopjes terug naar boven krijgen en dan ja, proberen gewoon die onder druk te zetten. Dat is het beste wat we kunnen doen. En dan, ja, om dan te scoren en het vuur er terug in te brengen, ik denk dat iets belangrijk was. Vroeger was het bij Leuven op de bank zitten en nu de speelminuten hebben mij echt veel bijgebracht. Dus ik ben stappen aan het zetten en ik ga zo verder doen. Dus mooi om mee te nemen om player of the match te zijn. Maar ik denk toch dat team er ook veel aan te danken heeft. Zij steunen mij, ze helpen mij overal bij en ik denk dat we daar ook heel trots op mogen zijn. Persoonlijke ambities, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat dat eerder gewoon hard werken is en zien waar we komen. Ik denk dat we allemaal meisjes zijn met de voetjes op de grond. En ja, ik denk dat we van daaruit gewoon gaan zien, stap voor stap en wedstrijd per wedstrijd. Meestal zijn we gewoon echt, komen op de club toe, komen even samen in de kleedkamer. Goede muziek, goede sfeer, goede opwarming. En dan geven we gewoon alles op het veld, eenmaal dat de match begonnen is. Ik ben niet zo van de rituelen. Zeker ook met de veranderingen nu van het uur van de match. Ik doe wat op het moment zelf goed voelt. Ja, ik heb eigenlijk geen ritueel, nee. Refaisons le point sur les résultats de la deuxième journée. On enregistre la première victoire de Westerlo dans la compétition, la première défaite du Standard contre Louvain et un succès tranquille de Gand à Zultbruggen. Après deux journées, nous avons encore deux équipes qui possèdent le maximum de points, Gand et Louvain. Anderlecht compte un match en retard face au club Oyelet, mais est toujours troisième. Westerlo laisse derrière lui le club, Genk et Zultbruggen. Ce samedi, Anderlecht aura droit contre le Standard à une solide préparation pour son match du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions féminines contre le club norvégien de Vålerenga qui aura lieu la semaine suivante. Standard Anderlecht sera d'ailleurs à suivre en direct sur DAZN et lundi prochain, vous verrez tous les temps forts et les réactions dans un nouvel épisode de notre magazine. À la prochaine.